Alors, bonjour à toutes, bonjour à tous. On continue notre petite partie. J'ai créé une petite zone en plus ici. J'ai mis en normal celle-ci. Je l'ai repassée en basse uniquement pour les pierres. J'ai augmenté le rayon également de ceci, tout en surveillant que je ne doive pas sortir, que je ne sors pas de la base. On peut récupérer des pierres. J'ai envoyé quelques personnes ici. On est déjà parti pour mettre trois pièges pour l'instant, parce que j'ai vu, je n'ai plus de place. Alors lui, il va faire tout le tour comme ça, vous voyez. Ça la fout un petit peu idiote. J'ai aussi demandé de, pas pour qu'on remette maintenant tout ce qui manquait ici dedans, bien sûr. J'ai aussi demandé pour qu'on vire les trucs qui traînaient ici. Tu fabriques une petite sculpture, tu vas aussi désinstaller d'abord ceci. Vas-y, fonce mec. Comme ça les autres. D'accord, tu me fais quoi? Mange la pâte nutritive, ça va. Tant pis, on va demander à l'autre ami. Lui, d'accord. Il transporte la table et j'étais un peu trop vite. Hein. Il a bouffé. Pas terrible. Voilà. Et Decker, ben, il peut te rapporter ça avec. Voilà, voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? Moi, j'ai toujours le poumon de mon ami. Le chauve. Vache, où en es-tu dans ta médecine. Alors, vitesse d'opération, on s'en fout. Chance de réussir une opération chirurgicale 88. Pourquoi est-ce que tu n'as que 88? Opération. Alors, compétence, médecine x 10, t'as que 90%. Et t'as un petit problème de vue. Hein? Ok. Bah, t'auras un œil bionique, ma belle, ne t'en fais pas. Tu auras un bel œil. 78%, ouais. Libellule, tu vois, un petit peu moins, mais t'es peut-être un petit peu meilleur. Alors finalement, 85, non, t'es un petit peu moins bon encore. 105%, et vache, ben, je regarde ici, 107%, donc là, un petit peu meilleur encore, hein. Alors, on en est où? Quand tu auras fini ici, ma biche, tu vas me terminer ceci, et puis ceci. Voilà, voilà. Ah, on a une nouvelle... Ah, elle est bonne celle-ci. Elle est bonne, on va l'installer... sera parfaite ici, voilà, bien en vue de tout le monde. Alors, on en est où ici? Qu'est-ce qu'il va lui? 3.9 à 4, il passe 3.7, 4.6, à 4 il va avoir plus 10, à 6 vous avez plus 15, voilà, lui il a 5 là, donc ça veut dire qu'il aura plus 10. Et donc maintenant, vous voyez, on a un petit 57 ici, c'est très sympathique. Même ici, 3.2, hein, du moment, il faut qu'on puisse voir tout à partir de la chaise. Normalement, c'est pas tout à fait dans toutes les cases qui tournent autour. Mais vous voyez, par exemple, les murs, ici, quand vous asseyez ici, vous ne voyez pas plus loin que le mur, bien entendu. Mais il y a une bonne partie des cases qui vont être visibles. Et donc, si on regarde ici, il est à 3.2, il n'aura que plus 5, Dan, ici. Regardons, Dan, en beauté, vous voyez, c'est beauté, elle va monter ici, à ce niveau-là, sa beauté, tant qu'il reste assis. Vous voyez, 34, 35, donc ça monte petit à petit, comme ça descend petit à petit également, bien sûr. C'est lui qui va gagner le plus, hein. Donc j'ai dit ici, il a 4.8, et vous voyez que sa beauté, elle est montée à 88. Et donc, il a un environnement très plaisant, 10. Si on peut le monter à 6, comme je disais,
Si on peut le monter à 6 en tout, eh ben il aura plus 15. Et là, il a combien? Il a 4-6. Donc on a un petit peu dépassé le truc ici, donc c'est parfait. Hein. Il est vraiment très très bien. Plus 10 et plus 15. Ce sont vraiment les... c'est vraiment ça, c'est vraiment le... Je veux dire, si vous pouvez mettre dans votre workshop du 6 partout, donc tous les gens qui vont travailler dans votre workshop, qui vont s'asseoir là, qui vont manger à table, bon ça dure moins longtemps, manger à table bien entendu, eh bien ils vont se prendre un maximum de bonus. Et ces bonus restent quand même, je ne vais pas dire tout le temps, mais ils restent assez longtemps, même s'ils vont dans un endroit qui n'est pas été nettoyé, qui est vraiment dégueulasse, comme ceci par exemple, normalement c'est pas vraiment la peine de nettoyer, bon sauf que ça transporte la saloperie, puisque les gens passent de dehors, ils viennent ici, ça transporte la saloperie autre part. Mais quand vous ne restez pas suffisamment longtemps dans un endroit bien spécifique, c'est pas la peine vraiment de le nettoyer. Si vous avez autre chose à faire, c'est pas urgent. Ok, allô, tu me fais ça, c'est bien. Est-ce que j'ai encore des... Non, il n'en a plus. Où est-ce qu'elle est, ma petite? Bon, on a pas mal travaillé là, on en a 1, 2, 3, 4. C'est pas beaucoup, mais ça peut aider. Ça peut aider. Si j'augmentais un petit peu la vitesse, ça serait pas mal non plus. Voilà, on regarde un petit peu Libellule. Ses besoins sabotés, quand même monté à 77. Donc elle s'est pris du plus 5, mais on va voir combien de temps ça dure. Vous voyez, elle sort dehors. Boum, ça tombe à zéro là-bas, enfin à peu près. 75, ah ben non, elle est repartie coucher, je suppose, maintenant. 73, non, elle travaille, elle est partie au parc. Et vous voyez que ça ne descend pas si vite que ça, même si elle n'est pas dans un endroit agréable. Voilà. Hop, elle était partie des trucs, maintenant elle a une petite... On laisse faire. Et alors, une fois que vous dormez, c'est fini. Ça ne bouge plus, normalement. 63, parce que les gens dorment. Ah, où est-ce qu'elle est? Tu vois, elle est occupée de manger, donc hein, c'est ça. Par exemple, si je prends Dan, lui, il voit rien puisqu'il dort. Bien, vous allez voir que Dan, normalement, ça devrait descendre, vous voyez, il n'est plus qu'à 68 de beauté là. Et donc, c'est pour ça que les chambres, c'est pas tellement important d'avoir un niveau très important en esthétique. Pourquoi? Parce que votre beauté, elle ne bouge pas. Vous voyez, Dan, même s'il est plus bas, ça ne bougera pas à 68. Et là, il va, et si vous les faites dormir 6 heures ou 7 heures d'affilée, eh bien, ça ne sert strictement à rien. Ça ne sert strictement à rien. Ce que vous devez avoir dans une chambre, qu'est-ce qui compte dans une chambre? Dans une chambre, c'est, comme vous pouvez voir, chambre de halo. Vous voyez, splendeur 62. Eh bien, pour avoir splendeur 62, c'est le cumul des quatre trucs blancs, en dessous, écrit en blanc. Luxe, espace, beauté, propreté. Si on regarde ici, il n'y a pas splendeur, il n'y a pas luxe, il n'y a pas espace, il n'y a pas beauté, il n'y a pas propreté. Il y a, mais ce n'est pas en blanc, vous voyez? C'est pas en blanc. Ici, comme c'est un dortoir, c'est en blanc aussi. Mais donc, qu'est-ce qui est important? C'est ce qui est en blanc. Et pour avoir plus de splendeur, vous devez avoir... un cumul de luxe, d'espace, de beauté et de propreté. C'est l'ensemble des quatre qui va donner la splendeur. D'accord? Si vous augmentez énormément, que vous augmentez énormément la beauté, mais que vous n'avez absolument pas de luxe, et que vous êtes dans un espace très, très petit, et que la truc de la propreté, c'est vraiment sale, ben vous n'aurez pas de splendeur. Donc c'est la moyenne des quatre. Enfin, normalement, c'est pas tout à fait ça. Il y a un petit calcul derrière qui, justement, diminue de plus en plus. Quand vous augmentez une seule des statistiques, eh bien, elle a de moins en moins d'impact sur la splendeur. Voilà, c'est tout. Ok. Donc, la splendeur, elle doit jouer pour quoi? Elle doit jouer pour les chambres. Elle doit jouer pour la salle à manger. Même si vous voyez ici que c'est dortoir à cause qu'il y a encore des lits, mais ça fait quand même salle à manger. Hein. Ça fait également salle de jeu. Vous voyez, Grizzly est ici. Il est dans un dortoir, mais c'est aussi une salle de jeu, puisque nous allons voir que Grizzly, son plaisir est occupé d'augmenter. Il a 94%. Mais ça dure 11 heures, vous voyez. Mais normalement, voilà. Ça, vous voyez, ça monte.
Et il va avoir plus, il va avoir des tonnes de joie. Il vient de passer à tonnes de joie. Pour que vous ayez le malus ou le bonus qui entre en jeu, donc de salle qui entre en jeu, le bonus de salle qui entre en jeu, il faut que la personne ait fini de faire l'action. Il faut qu'il ait fini soit de manger, là il va toucher la salle à manger, ou jouer, il va toucher la salle de jeu, ou la chambre, ici, il faut qu'il ait fini de dormir. Si vous voyez, ici il est marqué 16 heures, ça va continuer de descendre. Dans une heure, il n'aura plus que 15 heures, 14 heures. Mais dès qu'il va se relever, crac, ça va redonner 24 heures. Vous voyez, 15 heures, ça diminue. Et puis dès qu'il va se relever, ben, son bonus va repasser à 24 heures. Hop, hop, hop. Ah, on a un petit... Ah ben voilà quelque chose d'intéressant. Et ça tombe bien, on a justement fini. Alors, le clan des mers, ils se prépareront un certain temps. Quelle température fait-il? 25 degrés, il fait glacial. Oh, 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 il fait glacial. Bon, on aurait eu le temps d'expliquer un petit peu tout ça. Alors, vous êtes combien? Vous êtes que deux, vous rigolez? Il n'y a que deux attaquants? Je n'ai que deux ennemis. Ah non, il me semblait bien. Il me semblait bien. Là, il y en a deux, mais ils doivent être autre part. Ah bah oui, ils viennent de tous les côtés. Ils viennent d'ici aussi. Et ils viennent d'ici aussi. Ici aussi. Ok. Donc, on a quoi? Ce sont tous des massues, etc. Donc, dès que ça s'est terminé, je lui ai demandé d'aller porter ceci, bien installer ceci, et d'aller le mettre ici. Je pense que je l'ai envoyé faire l'autre également. Pendant ce temps-là, les autres vont se reposer un petit peu. Donc, on va laisser un petit peu venir. Voilà, elle a déjà fini son truc. Parce que je n'aime pas terminer un cactus alors qu'il a fallu beaucoup de temps. Donc, pour le moment... Il se prépare un certain temps, donc jusque-là, ça va. Ok. Alors, ils en sont où, mes quatre, là? Ils se promènent, hein, je suppose. Oui, ils errent pour l'instant. Donc, elle est partie chercher le deuxième. Alors, j'ai demandé à Allo, qui est notre agile. Donc lui, il va travailler en mêlée. Qu'est-ce que je lui ai demandé de faire? Je lui ai demandé de prendre le bon casque et une massue en métal. Ensuite, on a Dan, qui a aussi une bonne mêlée. Je lui ai demandé d'aller me chercher une massue en métal et de mettre le parka. Pourquoi le parka? Ben parce que il a une protection contondant, ben c'est toujours ça de prix, de 2,2%, d'un mire, c'est rien du tout, ben c'est toujours ça, et si c'est un couteau qui attaque, il a 10,7% d'armure. Même chose ici, celui-ci, 7,2, par contre l'aide de Buffalo n'est absolument pas de contondant, et donc j'ai demandé à Grizzly de faire la même chose et de prendre un casque également, ça peut protéger au moins un petit peu la tête. Donc on devrait bientôt y être. J'attends la petite vache qui revienne. Et puis dès qu'elle est partie. Voilà, Allo est parti. Dan est parti. On va prendre maintenant Libellule. Libellule, il va vite bouffer. On va te lever. Normalement, restriction, quelle heure est-il? Il est 2h du matin pour Libellule. Elle va se lever normalement. Quelle heure? On va te lever. Mange pas de nutritif. Voilà, comme ça, elle est en pleine forme pour partir. Voilà, tout le monde est occupé de se lancer. Ils sont toujours occupés. Vache, me met mon petit bidule là. Et puis, Libellule, dès que tu as fini de manger, ok, t'as mangé. Tu viens maintenant ici. Voilà. Vache est occupée. Ok. On va laisser revenir cette personne-ci.
Ok. Tu reviens. Donc, vache maintenant. Tu viens ici aussi. Avec ta copine Libellule. Parfait. On va demander d'ouvrir cette porte-ci. On va la garder ouverte. Et on va envoyer Atto. Il y a bien une massue en métal. On va l'envoyer ici. Ah, t'es parti. Tu devrais aller bouffer. Ok, on va prendre quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que j'ai d'autre que toi qui es prêt ? Grizzly, tu es prêt ou tu n'es pas prêt ? Tu as mis ça, tu as mis ton chapeau, ton casque. Tu viens ici, mon ami. Voilà, tu viens ici et puis tu redescends là. Voilà. Ça, c'est fait. Ensuite, nous avons quoi ? Un équerre. Tu dors encore, toi. Pourquoi est-ce que tu dors ? Est-ce qu'on a besoin de te soigner ? 7 heures. 24 heures. Donc, tu devrais logiquement, tu es en loisir, tu devrais logiquement te réveiller d'ici quelques secondes. On va te laisser travailler. Dan, taille des blocs d'ardoise. Oui, tu vas les bouffer aussi. Parfait. Donc, Libellule, ici, on va venir. Les deux humains vont attaquer celui-ci. Pratique, hein, ça, quand vous saisissez les deux. Pas cliquer droit, parce que sinon ils vont aller. Si vous faites ça, cliquer droit, vous voyez, ne peut pas atteindre. Donc vous faites attaquer ici, comme ceci. Normalement, tous les deux sont partis pour attaquer. Donc logiquement, vache, Libellule, stop, vache, hop, 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 hop. On va inverser maintenant, toutes les deux là. Toi, est-ce que tu peux toucher ? Tu vas, toi, tu vas tirer sur vert. Hop. Tu tires sur vert. Vache. Tu tires sur vert. Grizzly. Tu n'es pas encore arrivé. Mais tu arrives. On va patienter un tout petit peu. On va plutôt revenir comme ça. Et toi, tu reviens ici. Libellule, tu viens ici. On va faire plutôt comme ça. Voilà. Le temps que mes gens arrivent en bas, je veux que Grizzly vienne là. Ok. Maintenant, vous y allez. Ok. Non. Ok, on va tirer sur celui-ci, alors. Non, oui, ça devrait aller cette fois-ci, hein. Bon, avancez un petit peu les enfants. Voilà, on a un au moins qui tire dessus. Et toi aussi. Ok. Grizzly est reparti ici. Bien. Dame, tu manges de la pâte à l'eau. Tu nettoies de la saleté et puis tu viens ici, mon petit. Non, viens ici. Voilà. Ensuite, à l'eau. Ça, c'est fait. Ah, touché. Allez, d'Orto. Bien. Bon, ben,
S'ils réagissent pas, tant pis pour eux. Hein. À peu près mort. Ok. Les autres sont où? Ils sont toujours en bas. Ah, ça tire pas bien, hein. On voit qui est bousillé. Voilà. Les indigènes, là, ils lancent l'assaut. Il n'y en a qu'un qui lance l'assaut. Les autres, je ne pense pas qu'ils lancent déjà l'assaut. Non, ils ne lancent toujours pas l'assaut. Ils lancent l'assaut un par un. D'accord. Ok, vous allez revenir ici. Alors, toi, tu es blessé, torsé bras droit. Ok. On est tous les deux ici. Et quand même, toi, je vais te positionner. Vache, tu viens ici. Libellule, tu viens là. Toi, tu viens là. Et toi, tu viens ici. Voilà. On va pas gaspiller nos pièges pour l'instant pour eux. Voilà. Et j'ai besoin que Vache. Ok, en voilà deux de fait. Donc, vous autres, attaque bassin hydroponique. Attaque bassin hydroponique. Ok, donc on va essayer de vous attraper vite fait, bien fait. Vache et libellule, vous allez vite venir. Là, j'ai du rouge. Où est-ce qu'ils sont, mes payes? Attaque et attaque. Et vite venir ici. Tous les deux. Et bah, les autres, ils vont se buter là-dedans. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà. Atto, tu viens là. Grizzly, tu viens là. Ou plutôt. Grizzly. Atto. Ici. Grizzly. Ici. Je vais faire ça. Je vais faire que ce soit Atto qui se fasse toucher que Grizzly. De nouveau, pour la même raison que j'ai dit tout à l'heure. Alors, eux, ils vont arriver. Voilà. Vous revenez, vous avez assez eu de risques comme ça. Vous venez ici avant que vous ne vous fassiez attaquer. Allez, on redescend. Oups. Ok, ils s'enfuient. Sauf eux, bien entendu. Libellule. Ouais, je me suis fait avoir. Pas grand chose. Et Vache. Pas trop non plus. Lui. Ta mental est en panique, ok. Pardon, vous venez toutes les deux ici. Voilà, et toi, tu viens là, mon petit. Attaquer, arrive.
Ok. On va vous ramener à la maison. Toi, tu vas plutôt. Alors, capturer. Si je veux capturer. Oh, capturer. Il m'en faut un pieu. Alors. On va prendre le lit bateau qu'on va remettre aux prisonniers. Voilà. Et on va ajouter un pieu ici, lit en métal, qu'on va remettre ici dedans. Monsieur Decker, affecte transport 75 jusqu'à zone de stockage. Et ensuite, vous allez apporter le lit, s'il vous plaît, monsieur. Dan. Dan, t'aurais pu venir donner un coup de main, mec. Dan, tu vas. Alors, Croyo, il est comment? Il est comment, ce petit monsieur-là? Il n'a pas de bidule spéciale. Asexué, d'accord. Mauviette. D'accord, noctambule, ça c'est bien, mais bon, paf, pas trop, pas de travaux ménagers, pas de diplomatie, ouais, t'as beaucoup de trucs, ouais, mais à part ça, tu me plais pas du tout. Tu vois, et donc mes deux se sont fait avoir, quoi, mes deux meilleurs. J'ai joué comme un pied. J'ai joué comme un pied. Manipulation 62, libellule. Manipulation 90. Bon, là, tu peux soigner. Donc toi, tu vas aller te soigner. Tu vas aller te soigner. On va te faire un pied où c'est propre. Ah ouais, t'as une très bonne manip quand même là. Attends, montre-moi un peu ça. Montre-moi un petit peu ça. Qualité des soins 105. Toi? Qualité des soins 88. Ouh là, j'oublie, j'oublie, j'oublie. Donc, c'est toi qui vas me faire ça. Prioriser soigne, tout court. Voilà. Toi, tu vas me soigner celui-ci. Ok. Soigne Croyo, c'est bien. Voilà. Maintenant, ah, ça c'est pratique. Ah, il faut une porte ici maintenant. Parce que sinon, 52%, ça va encore. Oui, j'ai oublié, il me faut une porte maintenant. Parce que si, c'est devenu immense ce truc. Mais bon, légèrement sale, pourquoi? Parce que le gros avantage, c'est que la saleté, elle se répand partout. Vous voyez? C'est une moyenne sur l'ensemble des cases. Et donc, moi, 0,23, c'est pas énorme, hein, en saleté. Par contre, vous voyez, maintenant, je suis. Elle est laide, hein, ma pièce en beauté. Mais bon, c'est parce qu'il y a tout ça qui est dedans. Oui, pas. Donc, il va me falloir quand même des portes. Hein. Il va me falloir des portes. Et des portes, c'est ça. Pas en métal, non, 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 non. En ardoise. On va construire des copies. Une ici pour l'instant. J'en mets là. Alors, vêtements lambeaux, c'est pour Dan. Oui, je ne sais pas faire autrement. Alors, je pense qu'on n'a plus beaucoup de place ici. Hein. Mes animaux, ben, tout se passe bien avec eux. Tu me dis quoi, la cuisinière? Tu me dis que tu as 0 sur 2, donc il y a quelqu'un qui. C'est Allo qui doit les faire, mais il va aller les faire. Hein. Ce qu'on pourrait peut-être modifier, ça serait son travail à Allo, qui est ici. Je l'avais mis en cuisine. Regardons cela. Donc il est en nettoyer 2, et dresseur 2, et cuisine 3. Je peux très bien lui dire de passer en deux. Et si vous voyez ici, regardez, il y a également remplir le réservoir de nourriture. C'est ça qui remplit le réservoir de nourriture. Et donc, on peut très bien aussi mettre le chauve en trois pour le réservoir. Libellule pourrait être en trois. Tout le monde peut passer en trois ici.
Ça, n'importe qui peut faire le... remplir le réservoir. C'est plus tellement une priorité, hein, c'est un peu moins important. Et donc, comme je disais, je peux mettre à l'eau en deux, par exemple, pour utiliser la cuisine. Puisque une fois qu'il a fait son travail, il a fait son travail, il arrête. Et donc, il peut reprendre son nettoyage. Donc, quand c'est tout bien sale, comme on a le coup maintenant, il va pouvoir nettoyer par après. Après avoir fait la cuisine. Voilà. Nettoyer tout ça. Beaucoup plus agréable de vivre dans un endroit un peu plus propre. Parfait. Alors, est-ce qu'on a encore des... Il y en a une ici. Mais ça, donc, comme c'est notre ami Libellule qui s'en occupe généralement, on n'est pas pressé pour voir ça. Ok. Bon, on a eu notre petit suspense dans lequel on s'est bien fait buter. Hein, j'ai très mal joué. Il faut pas oublier que les portes que vous avez ici, quand elles sont en ardoise, en pierre, elles sont extrêmement lentes à refermer. Et donc, j'ai pas été assez vite pour sortir de là. Et donc, je me suis fait avoir. C'est tout. Normalement, il aurait mieux valu laisser peut-être une porte ici en métal ou ne pas attaquer du tout, et c'était aussi bon. Donc, monsieur Decker, voulez-vous bien aller soigner mon ami Jean, s'il vous plaît, puisque c'est vous qui êtes le plus en forme pour faire ça. Donc, monsieur Decker, merci d'aller soigner mon copain. Hop. Alors, on va essayer de ne pas avoir trop le feu dans nos trucs, là. Ouais, 49%, c'est bien. Croyo solitaire n'est plus incapable. Et on a une... Oui, c'est bien. Libellule. Quel est ton problème, ma petite libellule? Pourquoi es-tu... tu as mal? Ça, tu as mal, tu es un petit peu feigne, tu as un environnement déplaisant. Ben oui, t'as pas eu le temps d'augmenter ta beauté. Oh, il fait pas très joli là, dis donc. Mais c'est pas grave. Le problème, oui, c'est quand vous avez des pieux comme ça, effectivement. Donc on va voir si Allo va aller me faire ma bouffe. Il va d'abord soigner. Allo, tu fais quoi là? Tu soignes où? Tu soignes Decker. Allô? Oui. Pourquoi pas? T'as une bonne manipulation. Et tu dois bien soigner aussi. Tu dois plus ou moins bien soigner. Qualité des soins. 100%, c'est parfait pour moi. Ok. 36%, c'est bien. Allô? Tu nourris. Hein? Hop, donc ça cogne, hein. Alors, Grizzly, il va falloir aller travailler, mon ami. Prêt à récolter. Grizzly, tu es prêt. Allez, on y va, mon gars. Tu vas d'abord récolter. On a des trucs à récolter. Vache, est-ce que tu es déjà revenu? Ah, là, j'ai fait une erreur, hein, la laisser venir comme ça. 76 agriculture. Risque d'échec, 93%, tu vois. Ça, c'était une grosse erreur. Mais bon, il va quand même assez vite. Tout n'est pas fini, là, bien entendu. Ok. Alors, comment tout ça fonctionne-t-il? Je pense que tout va bien. Là, ma bouffe a dû être faite, je suppose. Non?
C'était Halo, je sais plus qui est-ce qui faisait ça. C'est Halo, hein, pourtant, mais, normalement. C'est bien Halo. Quand satisfait, viande crue. Il n'y a plus de viande d'insecte. D'accord. Il en reste combien dans la viande d'insecte? Il m'en reste 3. C'est pour ça. Eh bien, Grizzly, ben, on va te laisser finir ton travail d'abord, mec. Et puis, on te fera découper parce qu'on n'est pas pressé. Oui. Pas vraiment de presse. Grizzly, nourris le patient vache avec. Non. Tu vas venir me faire une créature. Voilà. Donc, Grizzly, toc toc. Ben, dépêche. Il y a quelqu'un d'autre qui peut aller me faire ça. Comme par exemple le chauve. Pas d'équerre, mais l'équerre on va le faire, hein, c'est bien. Bon, il va peut-être falloir aussi que je bouge ça. Où est-ce que je pourrais mettre ça? Je ne sais pas encore. Voilà, c'est parti, remettre ça. Alors. Il y a encore un peu de place. Voilà. C'est vrai qu'il ne reste plus beaucoup de place. Hein. C'est ces deux-là qui sont les plus embêtants. L'épaule, pardon, l'épaule. Et les deux à gauche. Parce que là, 4-8 et 5-8. Cela, il vaut mieux qu'il soit bien réparé. Sinon, je serais un petit peu embêté. Alors, il va falloir aussi refaire les deux qui traînent là. Un colon a besoin de soins, c'est d'équerre. Alors, libellule, là, tu en es où, ma petite libellule? Tu es à 100%, libellule. Ok, libellule, tu viens d'abord soigner d'équerre. Je t'ai dit de soigner d'équerre. T'as été soigné d'équerre. Traitement expire dans 3 heures. Non, 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 non. Libellule. Prioriser les soins de l'équerre, voilà. Voilà, comme ça, il peut aller retravailler. Ensuite, toi, tu n'es plus médical. Toi, tu n'es plus médical. Vache, tu serais guérie, ma biche. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Non, non, tu n'es pas guérie, hein, ma biche. Non, 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 non. Vache, tu me fais quoi? Tu sèmes un plant de riz? Bon, semer, ça va. Le problème, c'est récolter. Que je voudrais que tu ne fasses plus. Tu peux semer, par contre. Mais on dirait qu'il n'y a que ça à faire, donc ça devrait aller. Libellule est totalement guérie, c'est bien. Par contre, vache, non. N'y est pas là encore. Et ça se voit. Bon, la manipulation entre en cours pour la qualité des soins, pour le nombre de ressources que. Enfin, le nombre de ressources que vous allez récolter, la qualité de ce que vous allez faire. Par contre, ça ne diminue pas la compétence. Ça diminue tout ce que vous allez faire normalement, mais ça, je veux dire, par exemple, pour faire un bidule comme ça à faire, il faut, je crois que c'est 8. C'est 6 ou 8 pour pouvoir planter. Et donc, même si vous n'avez plus assez de manipulation, vous aurez quand même toujours votre compétence qui sera suffisante pour pouvoir planter. Et planter, c'est pas important que la personne soit et sa totale manipulation, etc. Hein.
Bon, voilà. Mais quand même, je n'ai pas fort envie. Manipulation, elle remonte bien là. Agriculture, on voit maintenant elle a 97%. Et il ne manque que 3%. Alors, on a une nouvelle quête. Donc ça, on va enlever. Je peux enlever? Oui, merci. La négociation. Tu me demandes quoi? Ouais, le clan des mers. C'est où? Déjà, on va voir si c'est loin ou pas. C'est pas tout près, hein. Enfin, c'est pas vraiment loin, mais c'est pas tout près non plus. Parce que si je veux créer. Ici, à ici, ça fait 2 jours pour aller, hein. 2 jours pour aller, 2 jours pour revenir. Et donc, de la bouffe, etc., etc. Bon. Le clan des mers, le clan des mers est ici. Il est hostile de toute façon. On oublie, hein. Clan des courants, clan des mers. Bon, tant pis. Tant pis. Hop, 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 hop. On fait ça. Et on revient ici. Voilà. Donc, la quête qui est ici, pour parler de paix. Hop, voilà. On va pouvoir. Ah oui, j'avais oublié qu'on peut encore démolir ici. Il faut que je fasse ma zone. Il faut que j'enlève le toit. Ici. Voilà. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, on va pouvoir enlever tout. On va démolir. On va commencer par démolir ici et on va sol, on va enlever le sol. Voilà, déjà. Parfait. Un petit peu de travail pour tout le monde. On a nos 2 portes, on va les garder ouvertes. Bien entendu, c'est un petit peu idiot de ne pas les garder ouvertes pour l'instant, ça ne me sert à rien. On a une table, une chaise qu'on peut remballer ici. Installer une table, installer une chaise. Voilà. Alors, toi, qu'est-ce qu'on va faire de toi, mon ami? Prisonnier, pâte. Qu'est-ce qu'on va faire de toi? On va t'amadouer déjà. Et qui est-ce qui va t'amadouer, mon ami? Qui est-ce que j'aurais besoin d'amadouer le plus pour le moment? Donc, il y a toi qui est très bon. Et c'est pas la peine de perdre du temps avec. Toi, non. Grizzly, tu peux pas. D'équerre, non. Dame, tu es bon aussi. Et vache aussi. Et à toi. Donc, vache, dame et Jean le Chaud font toujours. Est-ce qu'effectivement on a vache, dame et Jean le Chauve? Ok. On va les laisser. Continuer comme ça. Parfait. Bon, alors nous avons récupéré une petite place. Là, il y a un de viande qui ne me sert alors strictement à rien. Libellule, mon petit, tu es. Ok, vache. Allez, comment est-ce que ça va? Tu récupères? Ouais. As de 3, donc ça devrait aller. Voilà, c'est passé en jaune. Alors, j'ai besoin de savoir, ma biche, comment tu es en artisanat. 8,57. Alors, j'ai besoin de fringues, hein, c'est ça que je veux dire. Qu'est-ce qu'il fait comme température? 35, c'est toujours bon. Ah, on va peut-être bientôt avoir enfin un peu de coton. Non, on est loin d'avoir du coton. Et ici, 72%. Ouais. Petit à petit. Prêt à récolter. Donc ça, c'est pour vous les enfants.
Allez, il va récolter, mon ami, je suppose. Oui. Toi, tu vas où avec ça? Ouais, tu vas cuisiner un plat simple. Donc, on a quelques petites choses, normalement, qu'il faudrait modifier. Normalement, il faudrait que je bouge mes dromadaires de là et que je bouge ceci aussi de là. Le problème, c'est que ça me salit tout le bidule. Ouais. Et que j'ai encore besoin quand même de pas mal travailler. Ah, on a une nouvelle sculpture en ardoise. Excellent. On va la positionner. Bah, très bien mise. Ouais, dans ce coin-ci, elle serait très bien, voilà. Pourquoi pas. Et c'est une bonne. Ouh, les enfants. On va se prendre du 6. On va également ajouter une chaise en métal normal qui va là-bas. Et il n'y en a pas d'autre, hein. Toi, c'est parti. Bien, Jean, tu m'as fait une belle petite chose. Donc, là, c'est Becker, c'est toujours lui qui souffre le plus. Tu tournes la vache. Ok, on a les belles et les grizzlies qui me refont des pièges. C'est parfait. 50% et éclairé 50%. C'est bien. Vache est totalement guérie. Alors, oui, excellent. Bien, là on est pépère maintenant. Il va falloir faire nos chambres maintenant. Qu'est-ce que je vais faire avec Groyo? Hein? Qu'est-ce que je vais faire avec ce mec-là? J'en ai rien à cirer de ce mec-là, moi. J'en ai rien à cirer. Est-ce qu'on va t'enlever quelque chose? Non. Déjà, est-ce qu'il nous reste des... Oh, oui, t'as plus que de l'asthme, toi. Ma mère Louise est morte 19 jours, ça ne sait rien y faire. Mon ami Louise est morte 9 jours, mais bon, toi, ça va, t'es vraiment à ton aise. Ceux qui ont le plus de problèmes. Par exemple, Dan, dans le noir, on s'en fout. Qu'est-ce que... T'es où dans le noir, mec? On verra bien. À manger un repas épouvantable, tu as chaud. Intérieur, 17 degrés. Donc c'est que tu es dehors, sans doute, pour le moment. Ouais, c'est ça. Vêtements usés, sommeil troublé, à manger sans table, dortoir, salle de jeu, t'es vraiment tombé au mauvais moment. Je pense qu'on peut charcuter. On va pouvoir charcuter. Vache, tu essayes de recruter. Tu as 10,52. Donc maintenant, tu es à réussir une opération. 88%. Je voulais voir Decker. Chance de réussir une opération. 103%. Ah! On va réparer Monsieur le Chauve. Nous allons réparer Monsieur le Chauve. On va réparer Monsieur le Chauve. Eh bien, oui. Jean le Chauve. Donc, Decker. Taille de bloc d'ardoise. Jean le Chauve. Tu vas avoir droit à un poumon. Opération. Ajouter une tâche. Installer, alors, faire fumer, greffer un poumon gauche. Il n'y a aucun lit médical, tu vas en avoir un tout de suite, mon ami. Ah, il faut des médicaments, c'est pour ça. Il faut que je l'autorise, ici. Oh. On va te mettre une meilleure qualité médicale, voilà, comme ça, tu vas l'avoir. Maintenant, Decker, tu vas pouvoir le faire. Prioriser. Voilà.
Prends-toi un bon médoc. Comme ça, on est sûr de notre coup. Et voilà, c'est parti. On a été affalé deux. Oh, ouais, un pour enlever, un pour remettre. Donc, il y a l'opération chirurgicale. Donc, si je comprends bien, Decker, vous avez donc chance de réussir une opération et vitesse d'opération chirurgicale. Chance de réussir, qualité. Bon, c'est la même chose. Il n'y en a pas deux, il n'y en a qu'un. Ok. Je n'ai rien dit. Bon, Jean, tu vas être un petit peu vaseux, mon pauvre petit, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? C'est comme ça. Voilà, Decker, je suppose que l'opération a parfaitement réussi. Anesthésié. Et on n'a plus d'asthme. Bon, lui, maintenant, vous voyez qu'ici, ce n'est plus une chambre. C'est un dortoir. Et donc, on perd un point de... Enfin, deux points, je pense, de beauté. Mais bon, dès qu'on enlevera le lit, ça ira mieux. Hein. Ça ira beaucoup mieux. Alors, comme je disais, je ne sais pas ce que je fais avec ce mec-là. Est-ce qu'on l'opère? On aura peut-être besoin de récupérer un... Qu'est-ce qu'on va lui récupérer, ce garçon? On va lui récupérer un rein, un foie. Pourquoi pas un petit foie? Ce serait pas mal. Son foie. Oui, mais je ne sais pas s'il peut vivre sans le foie. On n'a plus de foie. Bonne question. On va t'enlever quand même un petit quelque chose. Mais on va te faire ça avec du... On va te faire ça avec de l'herbe médicinale. Et on va te récolter un poumon. Ouais, bon, c'est parfait, un poumon, je crois. Un poumon, ça ira très bien. Voilà. Le nouveau Decker va pouvoir faire ça. C'est très pratique, cette petite maladie. Ah, c'est vache qui va... Non, on va chez le recrute. Voilà, on va pas essayer de recruter plus longtemps que ça d'ailleurs. On va. Ouais, sacrée résistance qu'il aurait, hein, qu'il avait là. Ouais, c'est pas grave, c'est bien. Et ça y est, on est parti ici. Ça me plaît aussi beaucoup. Voilà, Decker est parti soigner l'autre. Là, et on va pouvoir enfin commencer nos chambres. Organes prélevés sur poumon, ouais, ça va. Et c'est surtout chez moi que, bon, 5, pendant 8 jours quand même, hein, pendant 8 jours, ça va. Alors, comment mes gens se sentent-ils ici? Beauté, voilà, la beauté est presque au maximum. Donc là, nous sommes environnement plaisant, oui, ça vient de partir. Par contre, chauve. Alors, chauve, par contre, mon ami, tu ne vas pas faire ça, hein, mon gars, parce que là, ta manipulation, elle n'est plus qu'à 50. Tu es d'accord avec moi, petit chauve. Donc, on va te désinstaller ça. Tu vas d'ailleurs le faire. Nous allons, pour le moment, bloquer le chauve dans tout son travail où il a besoin de... Pouk. Non, tout ça, ça va. Dans son art. Voilà. Pour le moment, je te bloque là, mon petit. Désolé. Tu feras ça plus tard. Voilà. Tu finiras ça plus tard. Parce que c'est pas la peine de faire une grosse saloperie. Bien. Tu vas transporter. Voilà, ça sera parfait. Bien, notre pièce, ça y est, ça s'agrandit. Nous allons avoir besoin de faire ceci. Je veux tout ceci. Architecte, ordre, miné. Oui. Oui.
peu plus clair dans tout ça. Ouais, surtout ici qui ça m'intéresse. Moi, c'est des chambres supplémentaires que je veux. Ok, c'est surtout ça que je voulais. Donc on va annuler ceci. On va annuler ceci. Pour le moment, c'est pas vraiment nécessaire. Oui, et puis il faudra faire ça là-bas pour une deuxième personne s'il y a besoin. On va continuer ici. Voilà, ça, ça sera notre deuxième salle de... Notre salle de banquet, effective. Ça, ça sera uniquement du... Du stock et des trucs comme ça, hein, enfin, tout ce qu'il faut, quoi. Le workshop, pardon. Voilà. De la lumière, on va devoir la réinstaller ici. Voilà. Sauf que je n'ai plus de truc batterie. Remettre ici la batterie, voilà, et oui, parfait, il me s'agit de la lumière là-bas, ça ouvre, et on a de nouveau plein, et tout ça, ça doit encore être de la, du métal, donc là, c'est reparti, je sais pas où j'en suis, j'ai un colon inactif, vache. Il n'y a plus de travail pour notre ami Vaille. Ils ont fini de tout replanter. Ben, c'est génial ça. Ça c'est quoi? C'est du plan de Snowcliff. Encore un. Alors, plan de coton. Ici. 95. Il va y avoir beaucoup de, bien du travail, mais d'ici peu. Mais j'ai besoin qu'on me récupère ces trucs-là. Alors, qui est-ce qui va pouvoir récupérer ça? On va mettre la restriction à chauve, à tout. On va mettre pour le moment tout le monde. On peut aller là, pour l'instant. Libellule, tu vas, toi, pour le moment, tu me fais quoi? Tu joues au fer à cheval et tu faisais ça. Je voudrais que tu me fasses quelques massues supplémentaires. Mais cette fois-ci, tu vas me faire des masses médiévales. Tu vas m'en faire deux. Au moins. Tu vas m'en faire deux. Voilà, on a un petit peu de métal d'avance, donc c'est bon. Et il y en aura d'autres comme ça qui vont pouvoir travailler aussi. Dan, il fait ça, c'est bien. Donc, normalement, tout le monde a du job. Hein. Vache. Tu transportes des gravats. Ok, on a un nouveau raid. Et on dirait qu'il y en a plusieurs qui vont arriver. Alors, une ruche mécanoïde. Là, c'est le transport, là, c'est le centre détraqué. Ils atterrissent de façon dispersée. Ok. Ça, ça peut être dangereux parce qu'ils peuvent très bien atterrir ici dedans. On ne sait pas encore. On va vite le savoir. Là, on peut le voir normalement avec les ombres. Avec les ombres des trucs. Donc il y en a un qui vient d'atterrir ici, ou qui va atterrir ici. On va vite le savoir. On va surveiller ce que nous avons chez nous, en tout cas. Et est-ce que j'ai encore des nouveaux pièges que je peux réinstaller? Oui, on peut réinstaller des pièges. On va les faire les uns après les autres. On va en remettre un ici. Regardez, celui-là, il risque bien de nous tomber dessus. Non, c'est ici plus haut. Ok. Alors, qu'est-ce que c'est comme bidule qui veut tomber dessus? Un truc comme ça. Attaque piquette fer à cheval en métal. Donc toi tu vas te prendre un petit bidule. Et donc ça c'est assez bien, je vais dire. Et l'autre c'est quoi?
L'autre est également un lancier. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Ça, ce sont des bestioles qu'on va attraper ici, pas là. Grizzly, tu vas venir ici, mon ami. Et on va fermer la porte. J'ai oublié de fermer la porte. Voilà, Grizzly, tu vas revenir ici. Parfait. J'ai besoin de monsieur Web. Dan. Viens, mon ami. Donc, on va maintenant de nouveau changer la restriction. On remet tout le monde en intramuros. Voilà. Dan, toi, tu as un bon ici. Tu vas venir avec un. Tu as un casque sur la tête. Tu as un casque sur la tête. Et tu vas me prendre ça. Le parka. Ensuite, Atto. Toi, tu es aussi un bidule comme ça. Tu as un chapeau. Grizzly, tu viens vite ici, mec. Viens me forcer ça. Dame, tu es fait. Atto, tu viens ici, mec. Tu viens ici. Allez, force. On va ralentir un petit peu la vitesse. Alors, tu fais quoi maintenant, toi? Tu attaques le bassin hydroponique. Au corps à corps. Équipé d'un lance-charge. Voilà. Allô, tu es prêt? T'es prêt. Allô, tu viens là. Dan. On file une parka. Ok. Et on va diminuer la vitesse. Hop, tu viens ici. Ok, Grizzly. Bon, là, pas le temps que tu viennes mettre ton truc, tu viens ici. Viens ici. Oh, bah, il y en a qui va se prendre un petit piège là. Donc, tu viens plutôt ici. Bam, tu viens ici. Et voilà, visiteurs. c'est les visiteurs qui vont se faire voir. Le piquier, il est où? Il vient là. Qu'est-ce qui me fait le piquier? Attaque, piquet de fer à cheval, ok. Et le visiteur, ils sont... Bah, vous allez attaquer ce petit bidule-là, normalement, je suppose. Alors, j'ai besoin... Voilà, attends, il va venir. Et maintenant, je vais le laisser ouvert, ce truc. Voilà, hop. Et tu reviens ici, Grizzly. Non, c'était pas une bonne idée. C'est ici qu'ils doivent venir. C'est ici qu'ils doivent venir. Parce que là, le mec, il peut s'arrêter et tirer. Vous voyez? Ça, je ne veux pas qu'il s'arrête et tire. Voilà. Toi, tu viens ici. Et puis tu reviens là. Et ça, ça reste ouvert. Voilà. C'est ceci qui est important.
Ok, vache. Excellent, je savais que c'était bon ça, ouais. Et donc, bah, tout le monde travaille. Jean, est-ce que tu es remis en forme, mon ami? Tu es anesthésié, toujours, manipulation 80% tu patientes. Les autres, ça marche. Ok. Bon, on aurait pu attendre, fermer tout et attendre que ces bidules-là viennent, hein. Normalement, je pense que. Mais bon, ça va leur donner un petit peu de pom-pom. Apprendre un petit peu à se battre, mes quatre mecs là. Ok. Voilà, ils peuvent pas tirer. Hop, ils viennent, tac, 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 tac. Ils rentrent dans la porte et boum, c'est fini. Boum, boum. Et c'est terminé. Toi, tu vas. T'as reçu quoi, mon ami? Petite contusion. Ça, c'est bien, ça va me donner des composants. J'en ai besoin. Enfin, j'espère que ça me donne des composants. Maintenant, il me faut un établi d'assemblage pour pouvoir récupérer des composants. J'en ai plus que 11. Il faudrait vraiment que j'en retrouve. Ça serait très bien que j'en trouve dans la région, moi. Si je pouvais en trouver là-dedans, ça serait génial. Ou si je pouvais avoir enfin un truc qui fonctionne, s'il vous plaît, ça me ferait très plaisir aussi. Au niveau de l'énergie ici, je vais avoir besoin de tirer un câble électrique. Mais là, je ne peux pas. On peut le tirer comme ça. Et si je peux tirer aussi? Ouais, je peux tirer jusque-là. Ici, non, je ne peux pas. Par contre, ça aurait été plus par ici aussi que j'aurais voulu faire du. On va aller également le. Ordre, aplanir. Voilà, on va t'aplanir, hein, tout ça. Jusque-là. Le reste, il n'y a pas besoin. On peut le faire aussi par ici, bien entendu. Voilà. Est-ce que notre ami Jean est revenu correctement? Il est revenu correctement. Donc Jean, tu peux de nouveau revenir dans l'art. Voilà. Tu peux me refaire de l'art. Et tu peux m'en faire beaucoup. Parce que ça se vend, l'art. Ah! Nous voici avec une nouvelle masse médiévale qui est normale, mais qui est de toute façon meilleure que ce truc-là. Dan, même chose. Dan, tu vas te prendre ça. Voilà. Est-ce qu'il y en a une autre? Non, il n'y en a qu'une pour le moment. Avant de terminer, on va refaire une nouvelle. Où est-ce qu'elle est? Il n'y en a qu'une. Ben dis donc, j'ai pas de chance avec mes trucs, moi. Donc il m'en faut, hein, ma biche. Tant que tu ne me feras pas des trucs corrects, il m'en faut. Il faut que tu avances dans 8,77. Hein. Ça n'avance pas vite, hein. Artisanat, tant que tu n'as pas la possibilité de faire des pro des. Le meilleur moyen pour augmenter, c'est quand vous avez 8 et que vous pouvez commencer à faire des composants. Parce que vous ne les ratez jamais et vous en aurez toujours besoin. Voilà, ça c'est pour moi le meilleur truc à faire. Malheureusement, pour faire des composants, il en faut d'abord. C'est ça la difficulté. Je ne fais que la domestication. Je ne fais pas le dressage. Le dressage, ça veut dire quoi? Le dressage, ici, si je fais ceci, il va faire quoi? Il pourrait être dressé, il l'obéira, le suivra, il le défendra. Je n'ai pas besoin qu'il défende. Tout ce que j'ai besoin, c'est qu'il soit domestiqué, c'est tout. Moi, je n'ai pas besoin qu'il vienne avec. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. Hein? Les dromadaires, ils sont là pour faire la bête de somme. Ils ne sont pas là pour attaquer les ennemis. Voilà. Oh, les petits gars. Look at this. Faune, il n'y en a qu'un toujours.
Vite, 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 mademoiselle Libellule. Hop. Mademoiselle Libellule. Venez vite ici, ma biche. Priorisez avant que l'autre vienne me bouffer mes trucs. Il a déjà certainement dû me bouffer quelque chose. Par où il est venu, lui? Ah, il est venu de là. Attention à ça, hein. Donc, d'équerre, quand t'as fini, mon gars, tu vas me transporter le piquier qui est là. Parce que moi, ça, c'est pas l'idéal. Voilà, comme ça, la porte, ici, elle peut se refermer. Eh? Ok. Alors, là, on porte pas. Pourquoi? Parce que j'ai fait l'idiot. Architecte zone, pour le moment, j'ai retiré des zones. Donc, c'est étendre une zone de tout. Pour le moment, on va autoriser ça aussi, bien entendu. Et puis ça, puisqu'on va en avoir besoin. Sinon, je ne pourrai jamais mettre ce truc-là. Voilà. Et ça, voilà, il va devoir être mis là-bas. Et il va être mis là-bas. Logiquement, voilà, il est parti maintenant. Celui-ci, on va également, maintenant qu'on a posé que celui-là est mis, hop, on peut installer celui-ci. Mais je vais quand même mettre dans tout. Je vais supprimer ça aussi. Comme ça, ils n'iront pas par là. C'est pas trop bon. Bon, normalement, ils sont assez intelligents pour faire le tour par là. Hein, mais bon. Ok, nouvelle masse médiévale. Tu en as encore combien à me faire? Libellule, est-ce que tu passes au niveau supérieur? 9,06. Ah, ça, c'est bien, ça. Tu vas encore m'en faire. Deux. Voilà. Alors, les masses médiévales. En voilà trois. Il y en a une bonne, enfin. Et les deux autres sont normales. Ah oui, on t'a viré, toi, ton truc. C'est juste, oui, bio, social. Il faut pas que tu sois copain avec personne. On va te libérer, mec. On va te libérer. Croyo, Foulcan. Prisonnier, ben, libéré. Ouais, voilà. Je vais pas te garder plus longtemps que ça. Hop, au revoir. Et comme ceci, on peut repasser, pas en médical, ni tac, ni tac. Voilà. Comme ça, j'ai quelqu'un qui peut y aller, comme par exemple, monsieur Dan Decker est là. Donc, ça va être Dan qui va venir ici. Dan, voilà mon ami. On n'appartient à personne. Donc, toi, tu vas être médical. Voilà. Si, comme ça. Ça se fait tout seul. Encore un raid. Mais dites donc, là on n'avait rien, et là maintenant on en a toute une série. Bon, il se prépare de nouveau. Est-ce que j'ai encore des pièges? Je n'ai plus de pièges. Combien ils sont? Combien? Ils ne sont que trois. Ils ne sont que trois. Par contre, celui-là, il est chiant. Cocktail Molotov. Alors, et la carabine de survie. D'accord. Donc, on va attaquer avec... Il faut qu'on aille buter le... Il faut qu'on aille buter en premier lieu celui-ci. Celui-ci, par contre, il est bon en tir. Ouais, ça va. Il n'est pas trop exceptionnel. Celui-là, non, certainement pas. Alors, comment sont tous ces personnages? Ils sont tous en bonne santé. Oui. Ils ont des bio-tireurs prudents, perspicaces. Ce sont deux bonnes petites choses. 48 ans. Ça pourrait peut-être aller avec... Oh, 15 d'artisanat. Ah ouais.
T'as que ça. Et à la construction. Mais t'as de l'artisanat à la case. Voilà. Artisanat 15, ça me permet de me faire des trucs excellents. Toi, sanguinaire pessimiste, on t'oublie. Et toi, pyromane, bien entendu, on t'oublie aussi. Et puis, à part ça, t'as plus rien d'autre. Donc, si mes cœurs, ici, je pouvais me le prendre, à la limite, ils pourraient très bien se retrouver avec notre copine ici, avec Libellule. Ce serait deux très bons, voilà, le couple d'artisans, 57 ans, 48 ans, bon, pour à la limite, hein, que vous ayez tous les deux. Je crois que je te fasse un peu plus joli. Mais bon, il faut que je puisse t'attraper, quoi. Hein? Il faut que je puisse t'attraper. Il faut que je puisse t'attraper. Ok. Donc, comme je vous disais, hein, là, gros avantage de nouveau. Vous voyez, on a eu plusieurs attaques en suivant. 0 h du matin, enfin minuit, 2 h du matin. Et donc, si j'étais en restriction normale, eh bien, mes gens seraient crevés pour l'instant. Ils seraient tous fatigués. Alors que, comme vous pouvez le voir, ils sont tous en pleine forme. À part pour bouffer. Et toi, pourquoi tu bouffes pas? Parce que tu attends d'être soigné, sans doute. Tu n'attends pas d'être soigné. Et donc tu vas vite aller bouffer, mec. Pourquoi tu vas pas bouffer? Mange, oui, va manger, mec. Et là. Voilà. Alors j'ai dit à quelqu'un que c'était 30 cases, enfin je ne sais pas le nombre de cases exactes, pour que quelqu'un ne mange pas par terre. On va voir ça tout de suite. Combien de cases te faut-il, mec? 20 et ouais, à peu près 30, quoi. Hein? À peu près 30 cases, je veux dire. C'est ça. À peu près 30 cases. Comptez à peu près 30 cases. C'est peut-être 40, c'est peut-être 50 cases. Mais dans tout cas, dès que vous voyez quelqu'un qui est dans sa chambre et qui mange directement dans sa chambre, et c'est ce qui va se passer, hein, dans tous les cas, puisque tous ces gens-là. Comment vais-je dire? Et tout le monde a une bouffe avec lui. Regardez les matériels. Lui, il a du pemmican sur lui. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi il a du pemmican. Lui, il a du riz. On ne sait pas. Lui, il n'a rien, par contre. Tiens, c'est amusant. Pemmican. Oui, non, ici, ils n'ont rien avec eux parce que ce n'est pas l'habitude avec de la pâte. Par contre, s'ils avaient le droit d'utiliser des plats simples ou des plats raffinés, par exemple, eh bien, automatiquement, ils vont. Ils vont bouffer le deuxième plat qu'ils ont avec eux, parce qu'ils vont en prendre toujours un deuxième avec eux. Et moi, tout ça, j'ai changé, parce que dans pâtes, ils n'ont pas le droit d'avoir autre chose que pâtes. Si vous regardez pâtes, voilà, dans les plats, vous avez juste la pâte nutritive. Ils n'ont rien d'autre comme droit. Donc, ils ne peuvent même pas bouffer leur pemmican, etc. C'est totalement interdit. Si vous prenez, par exemple, un plat, admettons, gastronomique, vous voyez, eh bien, gastronomique va autoriser gastronomique et tout ce qui est inférieur. Si vous prenez normalement les plats raffinés, par défaut, vous aurez tout ce qui est plat raffiné et tout ce qui est inférieur à plat raffiné. Il n'y aura que plats gastronomiques qui ne pourront pas. Et donc, ils pourraient très bien bouffer du cadavre. Donc, faites bien attention à ça. Toujours. Pensez à est-ce que j'ai assez de réserve ou pas, comment est-ce que je le travaille, mais de préférence, ben, si vous voulez qu'il mange du plat raffiné, ben, autorisez seulement le plat raffiné. À la limite, vous pouvez dire aussi chocolat, par exemple. Si c'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup de bonne humeur, vous mettez du chocolat ou de l'ambroise. Non, ambroisie, c'est de la drogue, donc c'est un petit peu différent. L'ambroisie, il faut la travailler dans drogue. Par contre, chocolat, ben, bien obligé. Voilà, enfin. Comprenez un petit peu le principe. Ok, enfin vous avez toujours compris bien le principe. Donc comment est-ce qu'on va travailler ça? Ben, on va travailler ça dans la prochaine vidéo. Je vous souhaite une bonne journée et à plus tard. Bye bye.